fully finished. So this is the divine ecstasy found in serving the form of existence, knowledge, bliss. But this is impossible when one forget Krishna in Sajujya identity with him. So it's not easy. Haribol. Verset 82. Satchidananda seva parama nirvriti sayujya na paya kabhu hato Krishna smriti. On éprouve l'extase divine en servant la forme d'existence, de connaissance et de félicité. Mais cela s'avère impossible quand on oublie Krishna, immergé en lui dans la forme Sayujya. So it's not easy. Ce n'est pas facile. Nittasu koi chetahe hoi be prakar. Verset 83. Si l'on ne croit pas à la nature éternelle de la bhakti et de prema, de l'amour, comment peut-on jamais s'attendre à connaître le bonheur éternel? Très important de savoir que lorsque on ne croit pas dans la nature éternelle de la bhakti et de prema, donc la dévotion et de l'amour, il n'est pas possible à quelqu'un de connaître le bonheur éternel. Une partie des plus importantes à comprendre. Si celui qui médite sur l'ombre du nom évite la contamination des idées mayavadis, il en vient graduellement à prononcer le nom pur. Il en vient graduellement à prononcer le nom pur. Le nom pur. Par conséquent, Srila Bhaktivinoda Thakur dit, le verset 84, Chayanama Brashi Nahi Jane Dushto Moto, Moto Vade Chitto Bole, Nahi Taro Hoto. Chayanamabhashi veut dire celui qui prononce l'ombre du nom n'est pas conscient de ses concepts erronés. L'élan de son cœur n'est donc pas affaibli par la confusion philosophique. Tout comme
Les dévots, vous ne voulez pas vous impliquer dans la philosophie Mayavadi, puisque vous croyez que la puissance du Saint-Nom révélera graduellement dans notre cœur, se révélera dans notre cœur. La nature du nom pur se révélera d'elle-même dans notre cœur. Verset 85. Il n'est limité que par son ignorance. Donc celui qui chante Namabash, l'ombre du nom. Il n'est limité que par son ignorance du pouvoir véritable du Saint-Nom. Mais le nom octroie ce savoir aux pratiquants. Cela est inhérent à sa nature. Alors le Chayanamabash est bien le soleil, donc verset 86, il y a eu une coupure. Meghachane surya prabha pratitana hoy, kintu meghenashi shurjo karena udoy. Par exemple, le soleil peut être invisible quand le ciel est couvert, mais c'est lui-même qui dispersera les nuages et brillera dans toute sa gloire. Les nuages sont dispersés par le soleil. Verset 87. Chayanamabhashi dhanya sadguru prabhave olpo dine nam prema anayashe pave. Donc, c'est la description de celui qui est au stade du chant du Namabhash. Celui qui récite l'ombre du nom retire de grands bienfaits de l'influence d'un gourou authentique et atteint rapidement le nom pur et l'amour pour Krishna. C'est la partie la plus importante, prema, l'amour pour Krishna. Olpodime nam prema anayashepabe, dans un laps de temps très court, la personne qui chante le Namabhash, donc l'ombre, le semblant du Saint-Nom, cette personne, dans un laps de temps très court, est éligible à recevoir prema dans la mesure où il est sous la tutelle d'un sadguru, un gourou authentique. C'est le problème de nos jours et qu'il est rare de trouver un sadguru, un dévot pur. La nature, en général, les purs dévots préfèrent rester cachés. Je peux vous dire à ce propos l'histoire de Narottam Das Thakur qui fut rejeté par Lokanath Das Goswami. Narottam Das Thakur voulait le servir et recevoir l'initiation, mais Lokanath Das Goswami refusait d'accepter du service de qui que ce soit.
Alors, Narottam Thakur a choisi de le servir de manière cachée, anonyme. Il se rendait très tôt le matin pour nettoyer le lieu où Lokanath Goswami effectuait sa toilette matinale. Il faisait attention que cet espace était gardé très propre et il y gardait une tige fraîche de neem pour se brosser les dents et aussi de l'argile pour se laver. De nos jours, nous avons du savon. Mais regardez cette histoire. Narottam Thakur était un prince, il n'était pas une personne ordinaire comme moi, c'était un prince. Et Lokanath Goswami, il s'est aperçu de ça, il se demandait, mais qui est en train de faire ce service? Il voulait savoir. Alors un jour, il est venu plus tôt que d'habitude. Et c'est là qu'il a vu que c'était Narottam, ce même Narottam à qui il avait refusé l'initiation. Et dès qu'il a s'est rendu compte que c'était lui et que Narottam Thakur venait d'une famille royale, c'était un prince. Et comment pouvait-il rendre un service si bas pour lui? Il s'est senti obligé. Et le même jour, il l'a approché pour lui donner l'initiation. Il y a aussi une autre histoire similaire. C'est l'histoire de Lala Babu. Je ne sais pas si vous connaissez. Quand vous allez à Vrindavan, il y a un grand temple, le temple de Lala Babu. Avant, il était un propriétaire terrien dans le Bengale. Ça veut dire, en Inde, on appelle ça un zamindar. Il gérait des propriétés terriennes. Et un jour, alors qu'il était dans sa période de vie matérialiste, matérielle, il vivait dans un palais de manière très luxueuse. Il était très riche, très aisé. Et un jour, il marchait sur sa terrasse et il entendit la conversation d'une famille de blanchisseurs qui se trouvait sur le bas-côté de son palais. De nos jours, nous faisons la lessive avec des machines à laver électriques, mais dans ces temps-là, il n'y avait pas de machines électriques. Et on prenait le linge sale, on le mettait dans un grand récipient que l'on faisait dans de l'eau, bien sûr, et que l'on faisait bouillir sur un feu. He saw on the ground floor that beside his home, beside his palace, there is the washerman. He is giving to her, to his daughter, giving instruction to his daughter that time is passing. Actually, it's a Basona Agundo. C'est là que Lala Babu a donc entendu la conversation du blanchisseur qui parlait à sa fille. Le père disait à sa fille,
que le temps pressait, qu'il fallait qu'elle allume le feu pour effectuer la lessive. Mais les mots qui ont été utilisés en bengali avaient un double sens. Et Lala Babu lui a entendu l'autre sens. Il a entendu le temps presse et il faut que tu, s'il te plaît, brûle tous tes désirs matériels. Alors que, en vérité, le blanchisseur disait à sa fille, allume le feu rapidement, le temps presse, et mets les vêtements dans l'eau bouillante. Lala Babu, lui qui marchait sur la terrasse, a entendu Vashana en tant que désir et Ravan le feu. Donc il a compris ces paroles de cette manière-là, que le temps pressait. Il était déjà âgé à ce moment, mais cette petite phrase a déclenché en lui une transformation profonde. Il s'est alors, il a eu une prise de conscience et il s'est rendu compte que sa vie n'avait plus de sens, qu'il était maintenant arrivé à un âge avancé et pourtant il avait autant de désirs matériels. Tous ces désirs étaient encore bien présents. Il a alors décidé de quitter cette vie et ses responsabilités mondaines et il est simplement parti pour rejoindre Vrindavan. C'est là qu'il a rencontré un maître spirituel. Certains disent que c'était Jiva Goswami Pad et d'autres disent que c'était un autre gourou, je ne sais pas exactement. Mais le gourou, le maître spirituel, lui a dit « Tu n'es pas qualifié pour être initié. » Tout d'abord, tu dois abandonner ton ego d'homme aisé, d'homme riche, de propriétaire terrien. Cet ego-là, il est encore présent et tu dois t'en défaire. Puisqu'il était un peu comme un seigneur, il gérait quasiment un état entier. Alors, Lala Babu a décidé que oui, il était temps qu'il devait tout renoncer. Et donc, l'argent qu'il avait avec lui, il l'a distribué à tous les habitants de Vrindavan. Et ensuite, il vivait grâce à la mendicité. Il mendiait de porte en porte. Et au bout de quelques jours de cette manière, il est revenu auprès du maître spirituel, mais le maître spirituel l'a encore refusé l'initiation en lui disant « Tu n'es toujours pas prêt à être initié. » So when people come for taking initiation, we are always giving him initiation. Mais je vous dis cela car de nos jours, si une personne riche et aisée vient pour se faire initier, alors il n'aura aucun obstacle à se faire accepter. Comme nous pouvons voir aussi, il y a beaucoup d'artistes du monde du cinéma qui se font initier dans des grandes institutions. Nous ne condamnons pas cela, c'est bien, mais nous essayons
juste de montrer comment Lala Babu et d'autres ont été refusés par leur maître spirituel, alors qu'il était un propriétaire terrien, il était comme un petit roi. Et maintenant, il en était rendu à mendier pour sa nourriture dans Vrindavan. Et malgré cela, son maître spirituel lui a dit qu'il n'était pas encore qualifié. Alors, Lala Babu a commencé à réfléchir et essayer de comprendre pourquoi il n'était pas encore qualifié. Et c'est là, en s'observant, en s'analysant intérieurement, il s'est rendu compte il y avait une personne dans sa vie avec qui il était en compétition. Cette personne s'appelait Jagat Seth. Il était aussi une personne très très riche et vivait à Vrindavan. Il avait une grande propriété. Et lorsque Lala Babu faisait la mendicité, il allait partout, sauf chez Jagat Seth, à cause de leur relation précédente avec donc avec lui, il était en compétition. C'était des Ils étaient en compétition et donc Lala Babu s'est décidé, il a dit, il y a juste cela que je dois nettoyer en moi, cette relation. Et alors il s'est rendu à la maison de Jagat Seth pour mendier de la nourriture, des chapatis, du pain indien. Et quelques nourritures pour vivre, la nourriture qu'on offre à Vrindavan. Et lorsque Jagat Seth, dès qu'il a vu que c'était Lala Babu qui était chez lui, qui est venu chez lui pour mendier, il était tellement surpris et étonné, il l'a pris dans les bras. Les deux étaient auparavant des hommes riches, enfin Lala Babu plus maintenant, mais Jagat Seth était encore très riche. Et lorsque Jagat Seth l'a pris dans les bras, Lala Babu aussi l'a aussi embrassé dans les bras. Et après cet incident, leur relation de compétition a été nettoyée. Il s'est ensuite rendu chez son maître spirituel qui lui a dit, aujourd'hui, tu es devenu qualifié pour recevoir l'initiation. C'est un Sadguru, c'est d'un tel Sadguru nous parlons, une personne qui chante le nom pur, constamment le nom pur, sans aucune offense. Et aussi qui réalise la pratique spirituelle. Donc celui qui chante le semblant du sanon, l'ombre du semblant, donc Chaya Namabhash, si il est en relation sous la tutelle d'un gourou authentique, il atteindra rapidement le nom pur et l'amour pour Krishna. Pourquoi je relève ce point-là? Puisque aujourd'hui, si vous êtes riche, et c'est moins difficile pour vous. Mais si vous êtes pauvre, vous devez passer à travers tant de
tests d'examen et même certains qui font payer des tarifs pour être admis à l'initiation. Donc, les Chayanamabashi, les chanteurs du semblant du Saint-Nom, ont l'espoir, ont un espoir de graduellement obtenir obtenir le pur nom et ainsi atteindre rapidement l'amour pour Krishna. Un dévot ne doit pas fréquenter les Mayavadis. Je pense que vous vous souvenez, j'ai expliqué à plusieurs reprises comment Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dit qu'il était préférable de mourir plutôt que d'avoir la fréquentation des Mayavadis. Dans une de ses explications de la Bhagavad Gita. Verset 88, Mayavadi Sangateha Satarke Charya Shudhaname Parayana Tushive Shevya. Bhaktivinoda Thakur a aussi donné une explication dans un de ses chants, Jivana Anitya. Anoho Shan Tahe Nana Vidho Vipodo Bhar Namashraya Kori Jotone Tumi Thako Apono Kaje. In the life, la traduction c'est ce corps que nous avons est un corps mortel, temporaire. Et en plus, nous devons faire face à tant d'obstacles. Là est l'essence, le résumé de notre vie. Par conséquent, Bhaktivinoda Thakur nous suggère d'essayer de chanter avec attention. Nama Ashraya Kori Jatane Tumi. Et engagez-vous dans votre propre service. Jatane veut dire avec attention, attentivement. Tout en accomplissant vos responsabilités. Verset 88, ce dévot doit s'appliquer à éviter la compagnie des Mayavadis, à satisfaire par son service les Vaishnavas attachés au saint nom pur. C'est très important. Pourquoi je relève ce point? Parce qu'il y a tant de Mayavadis de nos jours qui se présentent comme des dévots, alors qu'ils sont réellement des Mayavadis. Et il y a des dévots qui sont attirés par eux, qui les trouvent inspirants. Mais leur philosophie est telle qu'elle vous éloignera de Krishna. Pourquoi? Principalement parce qu'ils ne croient pas que le nom de Krishna et Krishna sont identiques. Aussi, ils ne croient pas que Krishna a une forme
Il croit que Krishna est sans forme. Comment est-ce que c'est possible? Si toi tu as une forme, pourquoi est-ce que Krishna n'en aurait pas? D'une manière ou d'une autre, nous devons éviter la compagnie des Mayavadis. Et nous devons quitter leur association. Then we are eligible to chant Shuddha Naam. Not today. Nous pourrons alors être éligibles pour chanter le nom pur. Peut-être pas aujourd'hui, mais après quelques jours, quelques mois ou quelques années. Sayagra, Saypale. দেখো এই তো মত আজ্ঞা তোমার আজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ইটস ভেরি নাইস ও লর্ড চৈতন্য Verset 89. Ô Seigneur Chaitanya, c'est ce que tu recommandes. Et celui qui s'y conforme est infiniment béni. C'est l'ordre du Seigneur Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya est son nom Sannyas. C'est lui qui nous a donné cet ordre. Chantez ce nom. Chantez ce saint nom Hare Krishna, ce Mahamantra. Et que c'est la seule méthode qui nous permet de nous délivrer de ce monde matériel de misère. Il n'y a aucun autre moyen, aucun autre moyen, aucun autre moyen. Il n'y a aucune procédure technique, aucune technique. Il y a uniquement une procédure qui est la dévotion. Dévotion veut dire que nous devons plaire au Seigneur avec toutes nos activités. C'est le seul critère. Chaitanya Harir Nama Harir Nama Harir Nama Iva Kevalam Kalau Nasteva 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 Gatirannatha. In this age of deception, Kali Yuga. Dans cet âge de déception, le Kali Yuga, il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre moyen, pas d'autre moyen. Cela a été expliqué par le Seigneur Chaitanya. Quiconque suit les instructions du Seigneur Chaitanya du fond de son cœur, une telle personne est bénie. Sa vie devient bénie. Dhanya. কোটি জন্মে কিছুতেই না পায় না হয় উদ্ধার ইফ এনি ওয়ান নট ফলোয়িং ইনস্ট্রাকশন অফ লর্ড দেন কোটি জন্ম মিলিয়ন্স অফ লাইফ ইজ নট পসিবল ফর দেম টু ডু Verset 90. Ceux qui négligent tes ordres sont des misérables qui vont souffrir sans rémission pendant des millions de vies. Ceux qui négligent tes ordres sont des misérables qui vont souffrir
sans rémission pendant des millions de vies. Alors nous ne devons pas négliger ces instructions. Tabo pado padmo vina nadeki upaya. Oh my Lord, please rescue me from bad association and keep me by your side, for I can see. Verset 91. S'il te plaît, mon Seigneur, délivre-moi de toute compagnie indésirable et garde-moi près de toi, car je ne vois pas d'autre voie de salut que tes pieds pareils au lotus. Tava pada padma, tes pieds pareils au lotus, na deki upai vina, à part na deki upai, je ne vois pas d'autre voie de salut. Binoda jahar hari nam chintamani sada gantar. Verset 92. Haridas pada dvande vinode jaha hari nam chintamani sada gantar. Les pieds par les lotus de Haridas sont la vie de Bhakti Vinod, qui chante sans cesse les gloires de ce joyau qu'est le Saint Nom. Haridas pada dvandve veut dire les pieds pareils au lotus de Haridas. Il y a un sens interne dans cela. Quiconque suit dans les traces de Haridas Thakur Bhaktivinoda Thakur, il dit qu'une telle personne devient lui est aussi chère que sa vie. Alors notre vrai ami est celui qui chante sincèrement, sans offense. Telle personne est notre réel ami, comme vous tous. Vous tous chantez le Mahamantra Hare Krishna, bien que là-bas vous faites face à tant de conditions et tant d'obstacles, et malgré cela, vous organisez le temps nécessaire pour chanter. Cela fait de vous, des personnes exceptionnelles. Si vous continuez pour le restant de votre vie de cette manière, vous devez savoir que Srila Bhaktivinoda Thakur devient heureux avec vous tous. Et quand le pur dévot devient heureux avec nous, c'est là que le Seigneur nous accepte. C'est là ça que nous devons atteindre. Suivez les traces de Haridas Thakur, rendez tous les Vaishnavas heureux, et graduellement atteignez le but ultime spirituel. Ainsi s'achève le troisième chapitre du Harinam Chintamani, Namavash, l'imitation du Sanon. Demain, nous débuterons le quatrième chapitre, Namaparad, blasphémer les personnes saintes. C'est la première des 10 offenses au Sanon. Tomorrow, this chapter heading is Naam Aparad, offense of chanting Sadhu Ninda.
ఫాస్ట్ ఆఫెండ్ సాధు నింద సతాంగ్ నిందానమ్నో పరమరాధం వితనుతే జత క్షేతి జతం కథ సుమతే తద్ తద్ విగ్రహణా సో వీ కెన్ వీ విల్ చాంట్ వీ విల్ రీడ్ టుమారో ఐడియా ఆఫ్ యుక్రేనియన్ డివోటీ టు జూమ్ క్లాస్ ఐ థింక్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఐడియా. Les dévots ukrainiens ont eu l'idée de faire une classe simultanée en Zoom, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée. Vous ne m'entendiez pas. Alors, que faire? Alors, demain, nous allons essayer à nouveau. Nous nous retrouverons à 20h, heure indienne. De 20h à 20h30, vous pourrez poser vos questions. Et ensuite, de 20h30 à 21h15, nous reprenons la classe. Allez, couche.